Ce programme s'adresse à vous, vous qui regardez cette vidéo. Si vous souhaitez immigrer au Canada, au Québec, bon, entre parenthèses Canada, de façon permanente pour y travailler. Tu veux immigrer au Canada et avoir la résidence permanente. Cette vidéo te concerne. Tu es un travailleur, tu es qualifié, tu as une expérience de travail, tu as une qualification, tu as des compétences et tu veux trouver un emploi au Canada et grâce à cet emploi, avoir la résidence permanente, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te montrer dans cette vidéo clairement, étape par étape, dans une première partie, le programme qui te concerne, le programme qui te permettra d'immigrer au Canada. Et tu vas pouvoir postuler à ce programme gratuitement. Dans la deuxième partie de la vidéo, je te montrerai comment aller postuler. Donc, pour dire vrai, cette vidéo est une formation complète. Je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, comprendre le processus et par la suite, toi-même, prendre ton ordinateur et postuler. Les abonnés de cette chaîne savent que nous allons pas à pas pour vous montrer vous-même comment postuler. Mon objectif ici, ce n'est pas de vous inviter de venir vers moi. Non. Mon objectif sur la chaîne YouTube Réussir, c'est de vous montrer les opportunités. C'est à vous de les saisir et aller postuler. Et dans la plupart des cas, c'est gratuit. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est l'occasion de vous abonner. Et ce programme est gratuit. Ce programme concerne tout le monde. Ne venez pas dans les commentaires pour dire, monsieur, je ne sais pas si je suis concerné ou pas. Ce programme concerne tout individu qui cherche à immigrer au Canada, peu importe où tu te trouves sur la planète. Si tu as le désir d'immigrer au Canada et que tu as les qualifications ou bien que tu as des compétences, parce que quand je parle de qualifications, beaucoup vont venir me dire dans les commentaires, monsieur, c'est quoi les qualifications? Les qualifications en français simple, ça veut tout simplement dire que tu as appris un métier ou tu as un diplôme ou tu as des compétences. Par exemple, tu es informaticien, tu es agriculteur formé, tu es chauffeur, peu importe ton métier. Tant que tu es qualifié, tu sais faire ton travail et que tu as une expérience dans ce domaine, ce programme te concerne. Donc, comme je l'ai dit, on va y aller pas à pas. Et tu vas postuler toi-même sur ton ordinateur ou sur ton téléphone sans avoir besoin de moi ou d'une autre personne, ni même des agents. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Lut Dzingui, entrepreneur et investisseur. Sur cette chaîne, je partage avec toi astuces, conseils et secrets pour ton développement personnel, pour ton projet de voyage et pour tout ce qui concerne de l'argent. Donc, si l'un de ces sujets t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Pour les abonnés qui disent, monsieur, comment faire si on veut vous contacter? Vous le savez, j'ai mis mon adresse dans la description. Je suis en période des entretiens pour vous orienter rapidement dans la procédure qui vous convient le mieux. Donc, si vous voulez avoir un entretien avec moi, monsieur Lut Dzingui, en tête à tête pendant 1 heure, vous avez mon mail dans la description. Écrivez-moi et je veux vous programmer un rendez-vous. Mais je le dis clairement, c'est pas gratuit. Les programmes que je vous montre sur YouTube sont gratuits. Vous pouvez aller postuler seul. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça, ni d'une agence. Mais si vous voulez que je vous partage mon expérience et que je vous donne quelques tips pour vous aider à aller un peu plus vite dans la procédure, prenez un entretien de 1 heure avec moi qui est payant et nous allons travailler sur votre dossier pour améliorer votre profil dans le bassin.
Une autre chose très, très importante, je le dis ici, mes abonnés le savent, je ne suis pas une agence de voyage. Je ne suis pas en collaboration avec l'Agence d'immigration du Canada. Non, 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 comprenez-le. Je suis quelqu'un qui, quand je découvre un programme, je viens vous partager. Je ne m'arrête pas là, mais je vous montre aussi comment postuler. Maintenant, pour ce qui me concerne, si vous voulez me contacter, soyez précis. Ne venez pas dire « Monsieur, comment vous allez ?» Non, on n'est pas là pour la conversation. On est là pour vous donner la possibilité d'immigrer. Donc, quand vous m'écrivez, soyez précis. Et une autre chose, quand vous m'écrivez et que je vous donne mes coordonnées, il y a d'autres qui viennent encore me dire « Monsieur, je doute si vous êtes un arnaqueur, je doute parce que j'ai peur des arnaqueurs. » Bon, dites-moi, est-ce que j'ai l'air d'être un arnaqueur? Ou bien est-ce que je viens vers vous? C'est vous qui voulez venir vers moi. C'est vous qui voulez travailler avec moi. Donc, ne venez plus me dire dans les messages WhatsApp ou mail « Monsieur, j'ai peur des arnaqueurs. » Si vous avez peur des arnaqueurs, restez chez vous. Ne venez pas me contacter et peut-être que vous ne verrez jamais le Canada. Mais si vous êtes courageux et que vous me faites confiance, vous faites confiance à l'équipe de Réussir et de cette chaîne, contactez-moi. Venez avec un objectif, on aura une heure de travail, vous allez vous acquitter des frais qui sont très, très abordables et on va avoir une séance de travail et derrière, vous allez bénéficier de plusieurs services gratuits. Bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour le programme qui va vous permettre d'immigrer au Canada. Donc, sans plus tarder, allons-y sur mon ordinateur. Je vais vous montrer premièrement le programme et par la suite, je vais vous montrer comment postuler gratuitement. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Donc, on se retrouve sur mon ordinateur, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va aller droit au but, on ne traîne pas. Donc, dans vos maisons, sur vos ordinateurs, suivez les étapes. Vous arrivez sur Google, vous écrivez Québec.ca. Alors, le gouvernement du Québec, bienvenue sur Québec.ca. Pour ceux qui ne le savent pas, le Québec, c'est une ville ou une province dans le Canada. Ils ont leur propre gouvernement, un peu comme avec le Vatican en Italie et tout ça. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi le Québec, c'est même pas la peine de suivre cette vidéo. Mais ceux qui savent c'est quoi le Québec, on continue. Donc, on est sur le site du gouvernement du Québec. Comme vous le voyez, je n'invente rien. Vous venez dans immigration. Vous voyez? Bon, on va aller petit à petit. Donc, vous arrivez là, vous voyez. Gouvernement du Québec, information et services gouvernementaux. On est bien sur le site. Et vous allez venir juste en bas, jusqu'à immigration. Vu qu'on est là pour l'immigration, vous voulez immigrer, non? Quitter votre pays, venir au Canada. C'est l'immigration. Donc, vous cliquez ici. Et là, vous venez... vous descendez et vous venez ici. Programme d'immigration pour les travailleurs qualifiés. Ceux qui viennent me dire, monsieur, le mot qualifié, ça veut dire quoi? J'ai déjà expliqué ça dans la vidéo. Donc, on va continuer. Alors, programme d'immigration pour les travailleurs qualifiés. On appelle ça PRTQ. Présenter une demande de sélection pour immigrer de façon permanente au Québec dans le but d'y occuper un emploi. Donc, j'avais dit ça. Si vous voulez avoir la résidence permanente par le travail, ce programme vous concerne. C'est bien écrit là en français. C'est pas M. Lutte qui invente. Donc, on est sur le site du Québec, du gouvernement. Donc, on est sur le site du Canada. On va maintenant aller dans le programme. Programme régulier des travailleurs qualifiés. Voilà. Donc, PRTQ. Ce programme, on va lire, ce programme s'adresse aux personnes qui souhaitent immigrer au Québec comme travailleurs qualifiés à partir du Québec ou depuis l'étranger. Donc, si vous êtes à l'étranger, vous voulez immigrer au Canada en tant que travailleur qualifié, ce programme vous concerne. Que vous soyez à l'étranger ou pas, cela vous concerne. Bref, j'espère que vous êtes en train de voir le programme. Hein. On y va pas à pas. Vous avez la possibilité d'aller vérifier par vous-même. OK. Donc,
On va aller donc à propos du programme. Il faut comprendre le programme. Ce programme s'adresse à vous. S'adresse à vous, vous qui regardez cette vidéo. Si vous souhaitez immigrer au Canada, au Québec, bon, entre parenthèses Canada, de façon permanente pour y travailler. Dans ce programme, vous devez déclarer votre intérêt à immigrer au Québec pour y travailler. Si votre profil correspond aux critères recherchés au Québec, vous recevez une invitation à présenter une demande de sélection permanente. Donc, vu que c'est gratuit, vous devez présenter l'intérêt et si votre profil est recherché, vous aurez une invitation pour avoir la résidence permanente. C'est écrit en français, en noir et blanc. Pour faire partie des personnes sélectionnées, vous devez avoir une formation et des compétences professionnelles qui faciliteront votre insertion en emploi au Québec. Deux choses, avoir une formation et des compétences. Donc, si vous êtes formé et que vous avez des compétences dans un domaine, vous voyez, vous êtes concerné. Alors, d'autres facteurs sont pris en compte comme vos connaissances linguistiques, votre âge, le caractéristique de votre conjoint, la présence des enfants. Ces facteurs et leurs critères sont évalués à l'aide d'une grille de sélection. Donc, il y a une grille de sélection par rapport aux points. On va aller cliquer sur cette grille pour voir. Donc, ok, voici la grille des points. Alors, comment on sélectionne les gens dans ce programme? Première chose, la formation. Donc, vous voyez les points. Si vous avez, par exemple, un niveau universitaire, vous avez 10 points. Deuxième cycle, 12 points. Voilà. Deuxième chose qu'ils prennent en compte, l'expérience. Si vous avez travaillé, l'expérience de travail, ça compte. Si vous avez fait 11 mois, c'est 4 points. Si vous avez fait 48 mois, c'est 8 points. Alors, il y a aussi l'âge, vous voyez, 30 ans, 18, voici. Les connaissances linguistiques, français ou anglais. Séjour et famille au Québec. Tout ça là, ils vont prendre ça en compte pour sélectionner votre dossier. Caractéristiques de l'époux, donc votre mari ou votre femme. Voici donc comment on sélectionne les gens dans ce programme. Donc, si vous avez un bon profil, vous aurez une invitation du gouvernement du Québec à avoir la résidence permanente directement. Alors, maintenant, on a dit que pour être sélectionné, vous devez remplir une déclaration d'intérêt. Donc, mon objectif, c'est de vous montrer comment remplir une déclaration d'intérêt. Donc, pour ce programme, première chose, comprendre un peu le programme, savoir que j'ai des compétences et la formation qu'il faut, et maintenant, remplir la déclaration d'intérêt. C'est suite à ça qu'ils vont maintenant vous sélectionner. Donc, c'est gratuit. Je ne vous demande pas de l'argent. On ne vous demande pas de l'argent. Ici, ce n'est pas de l'arnaque. Ici, c'est du vrai sur les plateformes vérifiées et c'est sûr. Vous avez la possibilité d'aller faire vous-même. Alors, remplir une déclaration d'intérêt à immigrer au Québec dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés, PRTQ. Vous pouvez déclarer votre intérêt à immigrer au Canada, au Québec, pour y travailler à tout moment. À tout moment. Aucun document ne vous est demandé à cette étape. Aucun document n'est demandé à cette étape. Donc, si quelqu'un vous écrit, non, envoyez les documents, les PDF médiocres, c'est faux. Alors, et puis c'est gratuit. On va lire. Gratuité. Vous voyez, vous aimez les trucs qui sont gratuits, non? Voici, c'est gratuit. Présenter une demande d'intérêt, c'est gratuit. Donc, la déclaration d'intérêt se fait en ligne gratuitement. Ça se fait où? En ligne gratuitement. Vous voyez? Seul sur cette chaîne, on vous montre ce genre de choses et les plateformes. Donc, abonnez-vous. Si tu suis cette vidéo, tu n'es pas abonné. Abonnez-vous pour nous donner plus de force. Plus nous avons des abonnés, plus nous allons travailler pour vous donner les meilleurs programmes, les opportunités. Notre objectif, c'est être la première chaîne YouTube qui vous informe sur l'immigration canadienne gratuitement. Donc, donnez-nous plus de force. Continuons.
Il n'est pas nécessaire d'utiliser les services d'une personne rémunérée pour remplir une déclaration d'intérêt. Il n'est pas nécessaire de payer quelqu'un pour ça. Le gouvernement vous dit, vous n'avez pas besoin de payer, vous pouvez le faire seul. Même le gouvernement vous dit, vous devez faire vos procédures seul. C'est ça la vision de la chaîne Réussir. Vous devez faire vos procédures seul. Et je suis là pour vous montrer. Les entretiens de une heure que je fais avec vous, c'est pour vous donner les outils, vous montrer et vous donner la possibilité de le faire seul. Pourquoi vous maîtrisez vous-même la procédure et vous ne dépensez pas beaucoup d'argent pour ça? Oh là là, mes frères et mes sœurs, même le gouvernement le dit. Si vous choisissez qu'une personne vous représente et que vous la rémunérez, assurez-vous qu'elle fait partie des personnes autorisées. Vous là qui vous allez dans les agences, est-ce que vos agences sont autorisées à vous faire représenter? Voici. Pour déposer une déclaration d'intérêt, vous devez avoir 18 ans ou plus, avoir l'intention de résider au Québec, avoir l'intention de travailler au Québec dans un emploi que vous êtes capable d'occuper. La déclaration d'intérêt est valide pendant 12 mois, pendant une année. Alors, les informations à fournir. Renseignements personnels, les coordonnées, situation familiale, statut au Québec, scolarité, parcours professionnel, connaissances en français, autres formations complémentaires. Bref, vous-même allez y lire. Je ne suis pas là pour lire pour vous. Je vous montre les opportunités. C'est à vous d'aller lire. Maintenant, passons maintenant à la chose la plus importante. Comment faire la déclaration d'intérêt? Je vais donc vous montrer comment le faire gratuitement. Vous cliquez ici et là on arrive sur Arima. Beaucoup de gens aiment Arima. Beaucoup de gens aiment Arima. Mais bon, bref, je vais vous montrer comment faire votre profil pour faire la déclaration d'intérêt étape par étape. Donc, restez jusqu'à la fin. J'espère que vous êtes prêts. On est parti. Donc, vous arrivez sur Arima pour créer votre profil. C'est ici que vous allez créer votre profil. Donc, allez-y pas à pas. Alors, il faut savoir que si quelqu'un veut créer le profil pour vous, il doit avoir le mandat pour le faire. Et vous, pour créer le profil, vous avez besoin de votre adresse, votre passeport et vos coordonnées personnelles. Alors, vous arrivez sur la plateforme, vous utilisez les services en ligne Arima. Donc, vous cliquez là. Et là, vous n'avez pas de compte, vous devez créer un compte. Donc, créer un compte, vous devez mettre votre adresse valide, adresse mail. Vous mettez votre adresse mail, vous cliquez sur valider. Vous devez vérifier et valider le mail que vous avez reçu. Donc, vous allez recevoir un mail avec un code sur votre adresse mail. Allez-y, prenez le code là et grâce à ce code, vous revenez sur la plateforme pour valider le code. Donc, vous venez avec le code que vous avez pris dans l'adresse mail, vous venez valider ici sur cette plateforme. Et là, votre adresse mail est validée. Vous devez créer un mot de passe parce que vous allez vous connecter plusieurs fois. Donc, créez un mot de passe. Un mot de passe que vous-même vous maîtrisez. Vous confirmez le mot de passe deux fois. Le même mot de passe et vous écrivez sur inscrire. Alors là, vous allez suivre. Je suis un individu. Vous cliquez dessus. Si vous êtes vous-même qui le faites, cliquez sur « Je suis un individu ». Vous allez d'abord lire les conditions sur Arima, lire, comprendre et à la fin, cliquez sur les conditions générales d'utilisation. Vous devez cliquer dessus. Si vous ne cliquez pas dessus, ça ne va pas marcher. Vous cliquez dessus, vous acceptez les deux, donc vous cliquez. Et vous cliquez sur « Suivant ». Alors là, maintenant, il faut remplir vos informations, votre identité. Nom,
prénom, le nom qui est sur votre passeport, c'est très important. Ne mettez pas le nom qui se trouve ailleurs. Mettez le nom qui est sur votre passeport, qui est bien écrit. Donc, voilà. Si vous n'avez pas de prénom, bien, tout le monde a un prénom. Donc, voilà. Ça, ne cliquez jamais sur les cases en bas. Mettez votre sexe. Et, par exemple, masculin ou féminin. Là, nous sommes en train de voir comment créer son profil sur Arima pour faire la déclaration d'intérêt gratuitement. Là, vous mettez votre date de naissance, donc année, mois, jour. Hein. Au Canada, il commence par année, le mois et les jours. Donc, par exemple, 1977, avril, le 25. Votre ville de naissance. Et votre pays de naissance aussi, par exemple à Douala, au Cameroun, à Yaoundé, mais bon, vous mettez. Et cliquez sur suivant. Votre adresse, non, là où vous vivez, le pays, le territoire, la province, la ville, vous remplissez vos adresses. En tout cas, c'est très simple. Suivez juste les étapes, c'est facile. La province, hein, ou l'État, comme je l'ai dit, la ville, voilà. Donc, là, c'est la ville. Par exemple, les villes, hein, vous connaissez, vous mettez la ville où vous êtes. Et là, votre code postal. Maintenant, vous devez chercher sur Google votre code postal. Par exemple, vous mettez le Cameroun, quel est le code postal du Cameroun? La Côte d'Ivoire, le Congo, peu importe le pays. Vous mettez votre code postal, votre numéro de téléphone, de domicile. Mais bon, ça, nous n'en avons pas. Donc, vous pouvez sauter. Ce n'est pas obligatoire. Cette partie n'est pas obligatoire. Ça, c'est pour ceux qui ont les numéros de la maison, numéro et tout. Et à la fin, vous cliquez sur créer mon profil. Et là, on vous dit que votre profil est bien créé. Donc, vous avez bien créé votre profil. Et vous serez directement dirigé sur cette page pour vous connecter à votre compte. Donc, vous avez déjà créé le profil. Là, maintenant, pour faire la déclaration d'intérêt, vous devez vous connecter avec votre adresse mail et le mot de passe que vous avez créé. Pour vous connecter, vous cliquez sur connecter. Et là, maintenant, vous Voilà vous donc le connectez. programme que je voulais vous montrer. Allez-y postuler, allez-y faire, c'est gratuit. Vous pouvez saisir votre chance et avoir la résidence permanente grâce à ce programme-là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, aimez et partagez autour de vous car ça peut toujours aider. Si vous voulez un entretien, écrivez-moi, vous allez prendre un rendez-vous avec moi et restez scotché sur la chaîne pour les prochaines vidéos. Salut!